se retrouve pour une nouvelle vidéo pêche en mer. Alors on va pas vous le cacher, on l'a très très mal commencé, on enchaîne les galères depuis hier. Le pré-fishing, ultra compliqué, la mer elle était déchaînée, les poissons clairement la gueule fermée. Ensuite on a enchaîné sur un petit Airbnb sans électricité, donc là vous le sentez pas, mais pas de douche, rien. On a eu froid toute la nuit, super. Et ce matin la cale, bah, c'était fermé. Donc vraiment, conditions au top, on est totalement en retard. C'est pour ça qu'on fait un petit peu l'intro en pêchant. On aurait pu faire un petit truc un peu plus calme, mais bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on est avec Pierre, nouveau venu chez Spro. Vous n'avez pas encore vu trop sa tête, c'est pas qu'on n'aime pas le montrer, c'est juste que bah, il est nouveau. Donc on va essayer de faire quelques poissons. L'objectif, ça va être clairement à pêche du bar. On va essayer de plusieurs manières. On va pêcher pas mal au leurre souple avec le Guts Bay Salt, Popeye, The Shad, un peu toute la gamme. L'idée, ça va être de pêcher dans des grosses profondeurs pour cibler des beaux sujets. Et peut-être qu'on fera aussi un peu pêche côtière, on va voir, on a justement les tout nouveaux Guts Bait Minnow et les Surf Stick qu'on va vous présenter dans la vidéo. On vient tout juste de les recevoir, donc c'est le crash test en direct. Mais on va voir ça, ça va être un peu l'objectif de la journée. Maintenant, c'est à nous de jouer. C'est pas ouf, mais c'est un premier poisson. Je suis au Guts Bait bleu. Extra. Ah oui. Bon, premier lancer de la journée. On vient de finir l'intro. Un petit poisson, je pense qu'il est à peine maillé. Sur un Guts Bait en 30 grammes. Hop, hop, hop. Il m'a piqué le doigt d'ailleurs. A gratté le fond, j'ai fait une traction et il m'a pris en haute traction quasiment. Bon, on va essayer de faire les grands maintenant. Du coup, là, avec Pierre, on est sur deux vibrations différentes. Pierre, il est sur le Guts Bait Salt, donc une vibration qui va. Bah, qui est assez forte quand même parce que tu es sur une gomme assez tonique. Moi je suis sur un Popeye, vibration plus subtile, du coup je suis passé en grabage un peu plus léger. On essaye, on va essayer de varier un peu les animations. On l'a vu vite que les poissons ils étaient sur le plateau là. Donc on va essayer de voir comment on peut les trouver, si on peut trouver un pattern. Ouais. Bah, ce serait cool. Donc c'est un peu l'objectif, ça va être complémentaire. C'est un Guts Bait 20 grammes. Ouais. Parce que c'est pas coffré toi. Ouais. On va voir parce que là tu vois sur le Popeye 21, ça plane un peu mais c'est pas si mal. Pas si mal. Bon bah là vu que c'est compliqué, on fait une dernière dérive parce que bah, le baitfish a bougé. On tombe sur quelques échos de poissons, mais qui sont pas forcément actifs, donc on va pas flotter les tues et je pense qu'on va carrément changer les autres pour essayer autre chose. Ah, tu as jamais vu les pandoineaux qui piquent là pour choper les sardines? Impressionnant. Ils se déplacent en banc comme ça. Ouais, bon bah du coup on vient de changer de spot. On est passé sur un autre plateau et je viens de changer de leurre. Parce qu'on pêche dans 5 mètres et j'ai mis un minnow, petit jerk minnow. Hey, y en a un autre derrière, regarde. Excellent. C'est un lieu. Eh hey, mais t'as vu le bar qui avait derrière, toi? Derrière, ouais. Ah l'autre, il est venu. Excellent. Bon bah c'est pas très catholique, mais je pense qu'il a tapé une première fois et. Allez. Et par contre, j'avais encore un bar derrière. C'est ce truc de fou. Du coup, petit changement de coloris là sur les conseils de Pierre, vu qu'il vient de faire un lieu. On se dit bah tiens on va pourquoi pas passer sur un coloris rose. Alors je vais prendre. Alors c'est l'avantage du Guts Bait Minnow, c'est qu'on a 3 profondeurs de nage. Donc je prends la version 3 mètres. En fait j'ai juste envie qu'il plonge rapidement et on va mettre un coloris rose là. Si jamais il y a un beau lieu ça pourrait être cool. On va voir si ça paye. Allez let's go, plus qu'à monter ça là. Là c'est joli là. Ah c'est pas piqué au travers ouais. Ah, il est foutu en travers en fait. C'est pour ça qu'il est puissant. Allez, point du game.
dit tiens, mets un rose, tu vas faire un lieu. Bon, je vais éviter de planter un triple dans le bois. C'est cool. Tiens, je t'ai caché bien. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça met une petite touche. Piqué juste en bord de gueule. Tu veux l'épisode ou quoi? Ah, je pense pas. Quoi? Bah viens. Viens, mon copain. Ah, il est beau celui-là. Cool. Sur le coloris Blue Minnow. Un beau poisson fait par Pierre là au Gusbeck Minnow. En coloris Blue Minnow. Ouais. Vraiment un coloris sympa, surtout avec le petit trait jaune là. Ça fait vraiment différence. Coloris opaque là pour les eaux un peu teintées comme aujourd'hui, donc c'est cool. Des gros poissons. Des gros twitch et puis à la pause il m'a attrapé. Belle touche, beau combat, beau poisson. On en refait d'autres? Allez. Bien aimé aujourd'hui hein. Ouais, essaye un coloris noir là, tu sais, le noir transparent. T'as bien le bleu transparent. Oui, exact. Voilà un beau poisson, ça fait vraiment plaisir parce que vraiment ce matin on partait dans le dur. Et là vraiment poisson qui quasiment 60 là, ça sauve bien la session. Bah de toute façon la journée est plutôt bien partie, c'est cool, on a trouvé des poissons actifs. Et ça fait vraiment plaisir de se le faire sur l'heure parce qu'on a mis un petit bout de temps pour le développer. Je voulais vraiment un truc qui nage en fait, qui nage aussi bien en linéaire qu'en twitch, un truc qui en fait qui puisse affronter la mer et les conditions. Donc c'est pour ça, ça fait vraiment plaisir. On va le décrocher ça, et puis on va y retourner surtout. Bon voilà, on est en train de finir tranquillement la marée là. Du coup on a un peu galéré ce matin là. Et l'idée de passer sur un plateau avec moins d'eau a été la bonne, parce qu'on a trouvé les poissons. Pierre a vraiment trouvé l'animation là, c'est vraiment du Gusbeck Minnow. Je suis en train de prendre une touche. Avec des gros twitch. Donc c'est une pêche qui est super patiente, c'est super cool. Et là, on va arriver à l'étal, donc fin d'activité. On va en profiter pour reprendre des forces. Et puis, on va remettre ça cet après-midi. Pas le choix. Bon, bah là, on a mangé, on a bien mangé. Merci, Guillaume. C'est toi qui l'as fait. Ah ouais, c'est vrai. C'est moi qui ai fait la cuisine. J'espère que vous avez les estomacs bien accrochés. Du coup là on a passé l'étal, on va pêcher la montante. On est dans les 15 premières minutes de la montante. On continue toujours au minnow vu que ça a fonctionné tout à l'heure et puis on avisera par la suite si jamais les poissons ont décidé de changer de menu. De quoi? toujours sur les petits minnows là qui descendent bien. Bon, ça vient, on vient à peine de reprendre là, déjà quelques touches, donc c'est cool. Première dérive. Il y a un beau lieu ça, il y a tout chemin. De toute beauté, je dirais. Et pareil au minnow, hein. Dans quasiment 11 mètres d'eau, donc il a pas hésité à venir le chercher, ça lui a plu. Avec des belles couleurs. C'est sympa, c'est joli. Allez. C'est un gamin ? Fais pas le con, Michel. On a changé de poste, on est revenu sur celui de ce matin là, parce que l'autre était plus productif et les conditions étaient difficiles à pêcher. Et ben on fait deux dérives. Prends une touche, fait un beau poisson, Gusbeck bleu, en 20G, c'est coffré. Je crois que le menu lui a plu. C'est parfait. Faut qu'on les bâche un peu en verticale limite. Non, faut continuer. En fait les petits on va les faire au cul du bateau, au pied du bateau. Et les gros, on va aller les fatasses là, s'il y a des 80, 70, 80, on les fera loin. C'est comme ça depuis 2 mois, donc je pense que potentiellement. Bien vu, bien joué Guillaume. Coloris Ayou, mais je pense pas que
le coloris jumbo prima. Je pense qu'on a 6 le menu. Du gut steak. Et bah ça tombe bien, on en a. Eh, tu peux regarder l'écran. Hein. C'est Bagdad. Ce matin, on avait des échos, mais on n'arrivait pas à déclencher les poissons. On a pris quelques touches. On a fait quoi? Un bar, je crois. C'est tout, pas plus. On est pas ce matin ici? Ouais, ce matin. Ouais, un peu. Et en fait, la bascule a fait que les poissons se sont réveillés. On fait quoi? On fait une dérive. Bah là, c'est la deuxième dérive. 3 poissons. C'est pas mal. Potentiellement, l'écran nous montre qu'il y a quelques clients à faire. Donc pourquoi pas, à voir. On va essayer sur le gut. Le gut bane. Oh, je le rate encore. Donc, à voir. Guillaume est en 30 grammes. Moi, je suis en 20 grammes. J'essaie de planer un peu plus loin. Il y a du tir. Ouais, il y a beaucoup de petits, je pense. Après, il doit pas y avoir que des barres. Il doit y avoir du macro et du chinchard aussi. Touche les touches, c'était bizarre. Hein. Mais potentiellement, il y a des gros poissons à faire. On va essayer de les déclencher. On peut appeler une chasse sous-marine. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas un tortille, il n'y a pas un piaf dans le secteur. On avait les flous bassins qui tournaient, mais ils sont vachement loin. Et là, ça enchaîne. Merde. Ouais, j'espère qu'on biffera ça. Guillaume, tiens-toi. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est sympa, c'est un doublé quoi. C'est un petit doublé. Oh, c'est tout petit. Égyptien, capitaine. Bon choix tactique, Guillaume. Bon choix tactique. Bien vu, mon pépé. Oh, pour changer un petit peu, on a fait... On est passé sur un stug, là. Sur un petit V-Power. Hop. Petit V-Power. Parce que... Du coup, on s'est fait un petit peu rattraper par des bateaux sur la zone. Des mecs hyper sympas. Ils nous ont bien coupé les dérives. Bon, on les a cherchés un peu plus au fond, finesse, là. Et c'est bien venu ramasser, donc c'est cool. Et ça fait une pêche en plus un peu complémentaire, donc la journée continue bien. Allez, on y retourne. Décroche, je suis là. Je te jure, faut pas qu'on le décroche. N'importe quoi. Être trop compte. Il est même pas. Alors, faut qu'on explique du coup ce qui vient de se passer. J'ai pas pété un anneau, moi, d'ailleurs. Alors, on va faire l'explication. J'étais en train de pêcher. Oh, celle-ci, on la filmait. Elle était mémorable. J'étais en train de pêcher tranquillement au Guts Bait. J'ai pris une touche. Et quand je l'ai ferré, il m'a arraché la canne des mains. Mais au sens propre, il y a la canne qui tombe à l'eau. Pierre qui jette, on essaie de la récupérer. Je sais même pas comment. Bah, en fait, j'ai balancé ma canne. J'ai chopé par le sion avec son talon de moulinet là. Et la chagat a miré quoi. C'était beaucoup trop calme sur le bateau. Il y avait un silence d'église. Oh purée. Pour un poisson qui aime pas les noirs. T'as failli gagner le spectre toi. Oh le scandale. T'as les visons. J'ai parlé des visons. Tu veux que je refasse un petit speech sur le vison de Rosemir qui est dedans? Il a été à l'école longtemps lui. Qui en raconte de la merde? Moi je te le dis, une purée. En plus d'enfer, il en règle. Je pense que je leur fais un beau manteau. Ah ouais, c'est clair. Bon, c'est pas mal. Colle bien au fond. Ah, il est puissant. Hein.
papa. Ah, c'est quand même un poisson. C'est joli. Allez. Regarde, Guillaume. C'est les poissons qu'il faut remettre à l'eau, pas la canne et le poisson. Ah, oh, c'est le poisson. Non mais forcément, si tu me l'expliques pas... Oh, tout. C'est un chinchard. Un chinchard. Putain. Ah, j'ai la haine. Un petit chinchard pour la fin. Ah non, 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 on reste pas là. Les Guillaume, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je sais pas, ça veut pas venir. Guillaume, c'est un bar. Ah, là, il y a un morceau. Là. Allez, j'espère 60 quand même. Oui. On pourrait conclure la vidéo sur ça, je pense. Bah écoute, c'était dur. Hein. Ouais. Bon, la vie n'a pas été cool avec nous aujourd'hui. Non. Parce qu'elle nous a fait comprendre que tout n'est pas acquis à la pêche. Et au final, ça s'est plutôt pas trop mal fini. On a fait des beaux poissons, on en a fait en quantité, on n'a pas fait de monstres. Oui. Mais au final, on a fait du poisson. On fait du poisson, des belles actions. Surtout, on a pêché de plusieurs manières, que ce soit la pêche au minot, on a pêché un peu au slug, on a pêché au shad. Franchement, c'était ultra intéressant toute la journée, quoi. Ouais. C'est aussi ça l'avantage de la mer, c'est que tu fais des pêches ultra variées et puis... Tu fais des poissons et tu es super combatif. C'était génial. C'était vraiment génial. Ça a été dur ce matin. Il a fallu trouver. Réfléchir très vite. On a trouvé une pêche intéressante au minot dans 4-6 mètres à peu près, ouais. Grosso modo, où on a fait des espèces un peu variées. On est revenu après l'étal pour faire une bascule sur le spot où on était ce matin où les poissons étaient inactifs et au final, ça a payé parce qu'on a fait du poisson en quantité, du beau poisson. On n'a pas eu de très très gros, mais au final, c'est bien amusé. Ouais, c'était cool. C'est vraiment l'essentiel de la journée, c'est que on s'est juste fait plaisir, des belles touches, du poisson, des belles actions. Et franchement, ça fait du bien parce qu'elle partait vraiment pas bien la journée. Mais je suis sûr que des fois, c'est comme ça. Juste, t'as un peu de poisse et c'est juste fait pour se renverser dans la journée. Merci. Ouais, tu peux dire merci. Hein. Et tu peux me dire merci aussi merci pour ta canne. Pierre. Ah oui, merci pour la canne, merci pour la serpente. Ah oui, merci pour la canne. Et pour mon tir. Ouais, puis on va clôturer la vidéo dessus. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et puis je vais dire merci à Louis parce que je peux vous dire qu'il a pas passé une journée sympa. Parce qu'il s'est bien fait trimballer dans tous les sens avec la mer. Donc. Merci Louis, et à la prochaine. J'espère que t'as un slip de rechange toi quand même. Hein.